Et tous, on se retrouve eh bien pour le dernier message de cette semaine, parce que pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je termine avec vous le vendredi et nous sommes le vendredi 15 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, la pensée positive est respect. Le véritable amour ne va pas sans respect de l'autre. Il faut être fier de celui ou celle que l'on aime. Le respect. Avoir le respect de l'autre, mais se respecter aussi. Hein. À méditer. Et aujourd'hui, eh bien, pour terminer cette semaine, j'ai pigé l'amour inconditionnel. J'adore amour inconditionnel, c'est-à-dire que on donne son amour sans condition, on n'attend rien de l'autre. L'amour inconditionnel m'envahit. Il me met en relation avec tous les univers. Eh bien, c'est grâce à la fleur de vie que les ondes de l'amour inconditionnel sont maintenant dirigées vers toi. Tu es complètement entouré par cette belle énergie unique et universelle. Chaque fibre de ton être tout entier en est submergée. Par la force de cet amour, n'est-ce pas, tu te transformes toi-même en amour. Puis tu le propages partout autour de toi. Quelle que soit ta route, n'est-ce pas, et sa destinée, tu es comblé. Tu es comblé par cet amour qui ne pose aucune condition, qui existe, eh bien, tout simplement. La fleur de l'amour inconditionnel, elle ouvre un champ énergétique tout autour de toi, qui te vient en aide. Eh bien, pour sauvegarder cette fréquence énergétique élevée, aussi bien dans ton aura que dans tes cellules. Tu es toi-même l'incarnation de cet amour inconditionnel. Alors, eh bien, savoure cette énergie positive qui submerge tout, car là où l'amour réside, n'est-ce pas, il n'y a plus de place, ni pour la peur, ni pour l'ombre. Tu es la lumière de l'amour, l'ambassadeur de l'amour ici-bas, sur terre. Alors, répands-le généreusement, car plus tu en diffuses tout autour de toi, n'est-ce pas, d'autant plus d'amour se déversera également dans ta direction. Le défi pour aujourd'hui, eh bien, la fleur de l'amour inconditionnel, elle vient à ton secours aujourd'hui pour que tu puisses identifier les cas où tu soumets ton amour encore à trop de conditions préalables. C'est ainsi que tu interromps le libre cours de l'amour à chacune de tes restrictions. Je t'invite à développer le courage d'aimer tout simplement, sans discuter, sans condition, grâce à cette carte, la fleur de vie. Et puis,
et puis ressens que l'énergie incroyablement merveilleuse de l'amour envahit ta vie tout entière. Elle envahit tout ton être. Entre dans le fleuve de la confiance. Tu le mérites, ce grand amour. Ta vie aussi en sera inondée. Si pour n'importe quelle raison, tu as fini d'aimer inconditionnellement, reprends-toi. Ou que tout simplement, tu n'aimes, tu as difficile à aimer par ton vécu, par les épreuves que tu as vécues jusqu'aujourd'hui. Reviens à cet amour inconditionnel. L'amour rassemble, la colère, la haine sépare. N'oublie jamais cela. Et lorsque tu donnes quelque chose, lorsque tu donnes ton amour, il faut que tu repenses à ça. Tu donnes ton amour sans condition. C'est-à-dire que tu donnes ton amour sans attendre de retour. C'est ça l'amour inconditionnel. Quel beau travail qu'on peut encore effectuer aujourd'hui avec cette fleur de vie, n'est-ce pas? Ça nous permet de évidemment de faire un travail sur soi, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? On est revenu ici sur Terre pour améliorer nos qualités et nos vertus. Donc il y a des qualités que nous n'avons plus, eh bien on est ici pour remédier à cela. Et c'est un beau travail à faire sur soi. Waouh ! L'amour inconditionnel. Voilà, je termine avec message de ton âme. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre, c'est-à-dire une tâche à la fois. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, présentement, dans ta vie en priorité? Eh bien, mets cette priorité en avant et c'est un jour à la fois, une chose à la fois. Voilà, prioriser aujourd'hui, c'est le message de ton âme. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Une toute belle journée dans l'amour inconditionnel, dans la joie, le bonheur, le rire, la tolérance, l'empathie, la bienveillance. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très très vite.